Matuvila. Les tribus. Kila bantu beko na namuna yabo, peut-être ya kowesha, namuna ya kufanya vitu. Donc, c'est vraiment différent. Et sa façon de se marier, la façon de faire les choses. Le mariage n'a pas été institué par qui que ce soit. Le mariage n'est pas l'affaire d'une tribu ou d'une coutume. Le mariage n'est pas un problème d'une religion. Le mariage, c'est le problème de Dieu. Amen. Amen. Et quiconque est dans le mariage, que tu sois de n'importe quelle tribu, que tu sois de n'importe quelle race, que tu sois de n'importe quelle religion, tout celui qui est dans le mariage, il répondra. Et Dieu le jugera. Dieu te jugera. Même vous qui entrez aujourd'hui dans le mariage, Dieu vous jugera. Et il ne va pas vous juger selon vos coutumes. Il ne va pas vous juger selon vos traditions. Il ne va pas vous juger selon votre religion. Il vous jugera selon sa parole. Parce que lui qui a institué le mariage, et il a aussi institué ce qu'il faut pour le mariage. Aujourd'hui, il y a un désordre, il y a un chaos. Beaucoup de palabres dans le mariage, et beaucoup de divorces, de séparations dans le mariage. Plus fort encore, des mariages qui sont consacrés dans la véritable église de Jésus-Christ. Ce sont des choses que personnellement je ne peux pas supporter.